ho muri aburundi ho muri aburundi turi kwa gatanu igenekerezo rya 2026 mukakara wa mwaka 2019 mukurikire incamake y'amakuru avugwa kuri uno munsi Umuhari mape Burundi buhire urarajwe ishinga na mabi ajanye n'ihotegwa rya kirimwa muntu abera mu Burundi hamwe n'icuka kibi mu bya politike leta ya Petero Nkurunziza ariko yiteguriramwo gutunganiza amatora yo mu mwaka 2020 mu Rwanda kuwo muhari washize ahabona bwo kuwa 18 mu kakaro mwaka 2019 usaba abanye politike nawo mashirahamwe yigenga ya societe civile amashirahamwe mpuza makungu n'ibihugu bigenzi by'u Burundi kugondoza leta y'u Burundi ngo yemere ibiganiro bidakumira bibera hanze y'igihugu Mu makoja y'impunzi mu rukurikirane uruganda rwa RP yagwatanguje kubijanye n'ingorane zihanze impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania mu bijanye no kwivuza uyu munsi tubabwira umwana ari mu ikambi y'induta afise ubumuga bwo kutagira aho asohorera umwanda amaze kurungikwa kwivuza mu bitaro bitandukanye ku nshuro zitatu ariko akaba atana kimwe arakoregwa Juma navyo bibiri vyibwe ku bitaro bikuru vyo mu Kirundo haraheze amezi arenga abiri vyaraye bifatiwe ku ivuriro ry'umuntu yikorera utwiwe mu ntara ya Gitega bamwe mu bakozi bo kuri ivyo bitaro bikuru vya Kirundo bakaba bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza nano ino ncamake igarukiye tukaba tubahaye isango y'ugihe c'isaha 11 z'umugoroba Bon après-midi, amis auditeurs de la RPA. Bienvenue à ce bulletin d'information dont nous allons débuter par cette page politique où le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire en sigle est préoccupé par le cycle infernal des violences et le climat de terreur dans lequel le gouvernement du Burundi prépare déjà et compte organiser les élections de 2020. Dans sa déclaration du 18 juillet 2019, MAP Burundi Buhire invite les acteurs politiques burundais, ceux de la société civile, les partenaires et pays amis du Burundi, à prendre toutes les mesures nécessaires pour forcer le gouvernement à accepter dans les meilleurs délais et sans condition le dialogue inclusif à l'extérieur du Burundi. Et dans la série de reportages sur les difficultés qu'ont les Burundais réfugiés en Tanzanie pour accéder aux soins de santé, aujourd'hui nous vous parlerons du cas d'un enfant du camp d'Onduta né avec une malformation qui n'a pas d'organe d'évacuation des déchets. L'enfant a été déjà transféré au moins 3 fois dans les structures sanitaires en dehors du camp, mais dans des établissements qui ne sont pas à mesure de traiter son cas. Et enfin, les 2 appareils volés à l'hôpital central de Kirundo il y a plus de 2 mois viennent d'être retrouvés, subtilisés par un des centres de santé situés en province Gitega. Ces équipements médicaux ont été saisis hier par la police. Pour le moment, certains membres du personnel du dit hôpital ont déjà été arrêtés pour des raisons d'enquête. Et voilà, amis auditeurs, c'est par ici qu'on met un point final à ce bulletin d'information. Prochain rendez-vous pour le magazine au complet, ce sera à 17h45. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.